Ok, salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle journée. Je vais gueuler à la poste parce qu'ils ont un nouveau truc là. Alors d'habitude j'ai pas vraiment beaucoup de soucis avec la poste, mais ils ont un nouveau truc là et je pense que c'est l'été parce qu'il y a des stagiaires ou des trucs comme ça et il n'y a pas de problème, mais bon c'est gênant quand même. Les stagiaires ils trouvent pas les maisons je pense pour livrer, ils sont pas habitués. Et du coup, ils livrent pas les colis, et les colis, ils sont même pas, il y a même pas de tentative de livraison, ils sont de retour direct chez moi. Et je pensais que bah, c'était à cause de des gens qui mettent pas, enfin des clients qui mettent pas la bonne adresse ou des trucs comme ça. Et en fait, là, ça commence à arriver sur des clients habituels qui ont déjà reçu au moins 5 ou 6 colis OTF. Donc c'est gênant de ouf. Genre, j'expédie le colis et 8 jours après, il est chez moi en mode non livraison et tout, adresse introuvable et tout comme ça. Bref, il y a un bug quelque part, c'est pas normal. Donc je vais aller gueuler, let's go. Je sais plus si j'ai vlogué après la poste, mais il me semble pas. Bref, j'ai gueulé, ils auraient expédié le colis gratos. Et ils ont ouvert une enquête et tout, parce que c'est bizarre. Parce que c'est pas le premier en fait colis là depuis 3 semaines qui revient dans cette situation-là. Ah oui, c'est vrai, je suis garé loin. Aujourd'hui, j'ai commencé à taffer doux sur du SAV. J'ai aussi avancé avec les usines pour des nouveaux produits. Je suis allé voir une nouvelle entreprise qui est dans ma ville qui fait de la broderie. Et je suis allé voir ce qu'ils proposaient, etc. C'est pas mal, on va peut-être bosser avec eux pour l'instant. Ils peuvent pas bosser parce qu'il y a eu un accident de travail. Enfin, bref. Je raconte pas live, mais c'est le but des vlogs. Je me rends compte que là, j'ai capacité à avoir des solutions à mes problèmes assez rapides. Et ça me fait plaisir. De me rendre compte que j'ai commencé à avoir pas mal de contacts qui permettent d'évoluer et de régler les problèmes qui posent problème, on va dire. C'est horrible, c'est que de la merde. J'ai une petite anecdote là à vous raconter. Il y a Kim Kardashian qui a posté une. Enfin, il y a une photo de Kim Kardashian sur les réseaux. Et sur sa tenue, elle porte une culotte par-dessus un legging, et sur cette culotte là il y a la date de naissance et le lieu de naissance des gens de l'équipe de Balenciaga, et il y a quelqu'un qui est né le 12 février à Bellegarde. Bon, avant que je sois interrompu par des gens en vélo, il y a quelqu'un qui est né à Bellegarde le 12 février. Je suis né le 12 février à Orléans, mais actuellement j'habite, je vais pas dire le nom de la ville, je vais pas name drop la ville dans les vlogs, mais bon, si vous voulez le savoir, vous pouvez le savoir très facilement. Mais bref, j'habite à côté de Bellegarde, vraiment j'habite à 12 minutes en voiture de Bellegarde. Donc il y a quelqu'un qui est né à Bellegarde le 12 février et qui bosse dans l'équipe créative de Balenciaga. C'est un truc de ouf, c'est un truc de taré, c'est trop marrant, enfin la coïncidence elle est folle quoi. Et franchement, ça me motive. Enfin, c'est trop bête hein, parce que c'est une coïncidence bête, mais ça me motive. C'est un truc de fou. Genre, dans ma tête, c'est toi, les étoiles s'alignent. Ça veut dire les gens qui sont nés dans le Loiret un 12 février. Il y a un truc, tu vois, parce que sûrement il est sûrement plus vieux que moi. Je sais pas qui c'est, il ou elle est plus, forcément plus vieux que moi, je pense, pour bosser chez Balenciaga en Creative Agents. Enfin, bref. C'est un truc de fou. Du coup, je me dis, ça se trouve, vas-y, je me trompe pas de voix. Les gens du 12 février qui kiffent les sapes dans le Loiret, on est là. On est là. Bref, c'est cool. Et c'était une très très bonne anecdote. D'où le titre de cette vidéo. C'est voilà. Bref, je vous ai un peu menti sur la marchandise, mais bon, vous êtes un peu habitués sur certains vlogs. Je suis pressé, demain je reçois pas mal de photos de nouveaux leaks que je vous partagerai probablement. J'en ai reçu aussi aujourd'hui, mais je vous les montrerai sûrement demain dans la vidéo. J'ai envie de faire une petite vidéo leak où je vais vous montrer des petits trucs et tout qui arrivent, qui se préparent. Voilà, voilà, histoire de vous donner des petits trucs à croustiller sous la dent. Vendredi, on fait un shooting photo avec un mec en BMX, ça c'est très cool. Aussi fin du mois on va shoot avec un rappeur qui est très 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 chaud, donc voilà, ça c'est booké, c'est cool. Et qu'est-ce que j'ai booké de plus aujourd'hui, je sais plus, mais bref, il y a plein de choses qui arrivent, ça fait trop plaisir.
Et on se retrouve dès demain pour un nouveau vlog. Moi, je vais dormir. Gros bisous.